Depuis mars 2021, il y a un grand opposant sénégalais du nom de Ousmane Sonko. C'est le plus grand opposant sénégalais qui est arrivé deuxième aux dernières élections de 2019. Tout le monde sait que Ousmane Sonko, en fait, est sur la bonne voie pour être le président de la République. Et comme M. Macky Sall aussi n'aimerait pas que ce gars le remplace, M. Ousmane Sonko, il a tout fait pour que si lui, il passe pas, qu'il y ait un de ses membres de son parti PASTEF. Je rappelle que même le parti PASTEF a été dissous même par le même président de la République. Beaucoup de gens, en fait, les accusent comme quoi qu'ils sont des islamistes. Bon, ce qui n'est pas du tout le cas, ce qui reflète même pas la sociologie de l'islam au Sénégal. Mais bon, comme on dit, hein, qui veut tuer son chien, l'accuse de race. Donc pour le moment, en fait, c'est ça la véritable raison en fait du report. Malheureusement, c'est dommage parce que pour la première fois au Sénégal, on a des élections présidentielles reportées. Là, il y a eu des troubles où tous les jours, il y a eu des morts. Macky Sall, en fait, c'est quand même un politicien qui n'est pas comme les autres politiciens sénégalais. Il était maire de Fatick, hein. Il est devenu ministre des Transports, il était ministre des Mines, il était aussi ministre de l'Intérieur, il a été aussi premier ministre, président de l'Assemblée nationale et il est président de la République. Mais quand même, force est de constater que c'est un homme vraiment clivant. S'il recule souvent, c'est pour bien sauter. Si le Conseil constitutionnel quand même décide de ne pas valider les lois, là, il n'a pas le choix. C'est quelqu'un qui va jusqu'au bout. Il n'a pas froid aux yeux. Je ne pense pas qu'il va reculer. La balle est dans le camp du Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel valide, ça dépendra aussi si les opposants vont l'accepter. Mais je pense que devant l'armée et les gendarmeries, bon, il peut y avoir des casses, tout ça, mais je ne pense pas que la population sénégalaise puisse avoir cette tradition violente de renverser un pouvoir par les tout ça, en tout cas, je ne pense pas.